C'est compliqué de dire des émotions, on est à chaud, on réagit pas trop, on réfléchit et on se dit c'est vrai, c'est pas vrai, et on l'a gagné pourtant. Après, on a très très bien joué depuis dimanche, on était serein, même quand on était mené, on était serein, c'est ce qui a fait notre force d'arriver là. On s'est pas énervé, on a toujours su se calmer, bien jouer, et puis c'est ce qui nous a réussi. Myron, c'est un gamin qu'on lui a fait confiance à 200%, ils ont jamais tourné une fois avec Mika. Dans toute la compétition, d'habitude Mika il fait un peu le milieu, après il tourne parce que c'est compliqué de tirer devant Bonetto qui fait partie des meilleurs tireurs, des 3-4 meilleurs tireurs on va dire. Et un petit de 20 ans qui tire devant Bonetto pendant 4 jours, tout le monde peut dire ce qu'ils veulent, mais il faut être capable de tirer devant des tireurs comme lui, comme tous les grands tireurs, que ce soit Suchot, Dylan, Achadorian, Mika. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de tirer devant ces gens-là. Et lui, il a réussi, il l'a fait, et il peut lever la tête haute parce qu'il a fait une tir extraordinaire. Et après, il a 20 ans, il est là, et lui, il a toute sa vie devant, il va en gagner, je pense, des titres. Après, il faut y aller, mais je répète encore ce que je disais tout à l'heure. On a appris à avoir du calme, d'aller doucement dans les carrés d'honneur. Et c'est ce qui nous fait la force de ne pas s'énerver, on a l'habitude du monde aujourd'hui. Et puis voilà, à partir de là, on va doucement, Mika s'énerve beaucoup moins. Moi j'ai compris que en jouant calmement, ça allait beaucoup mieux. Et c'est ce qui se passe, et tout le monde me le dit. Depuis que tu t'es calmé, tu joues beaucoup mieux avec tes coéquipiers, et tes coéquipiers jouent beaucoup mieux avec toi. Et voilà. Après, comme je dis, la Marseillaise, je l'ai gagnée parce que ça me faisait plaisir. Je suis Marseillais et tous Marseillais jouant à la pétanque veulent gagner la Marseillaise. Mais je voulais la gagner pour Mika. Parce que Mika, il la voulait pour son grand-père, je répète. Et je crois qu'il aurait préféré gagner la Marseillaise que n'importe quel titre, en fait. C'est comme ça. Après, je voudrais dire juste un mot. J'ai un très très bon ami et que j'attache beaucoup d'importance qui est parti, Christian Dagier, qui est décédé, qui avait le club de Carry-le-Rouet. Et qui était professionnel d'ailleurs de foot, et il est parti, il nous a quittés, et voilà. Donc j'ai une pensée pour lui et pour une autre personne aussi, Aimé Courtois. J'espère que tu gagneras la Marseillaise, c'est un rêve frérot, et je souhaite que tu la gagnes, et tu vas la gagner parce que t'es un super mec et tu la gagneras.